La rentrée 2022 est chargée du côté de TF1. Entre Mask Singer le mardi soir, Danse avec les stars le vendredi et The Voice Kids le samedi. Les Français ont à boire et à manger grâce à la première chaîne. Et vendredi 9 septembre, ils étaient des milliers à attendre le retour de Dal. Encore une fois, les téléspectateurs n'ont pas été déçus. Visiblement remonté comme une horloge, Chris Marc a dégainé son terrifiant buzz rouge contre David Douillet, l'envoyant directement au face-à-face. Malheureusement, le célèbre judoka n'a pas réussi à s'imposer face à Eva Kean et à Angun lors de l'épreuve et a été éliminé. Un départ qui a profondément déçu les internautes mais également l'ancien ministre, qui n'a pas hésité à tacler Chris Marc pour son buzz rouge. Une chose est sûre, Eva Kean semble déjà être dans les petits papiers des téléspectateurs, puisque le public a décidé de la sauver. En revanche, la petite sœur de Jazz Correia va devoir attendre le troisième prime pour montrer ses progrès. Car ce vendredi 16 septembre, six nouveaux binômes de Danse avec les stars vont s'élancer sur le parquet. En attendant, les fans d'Eva Kean pourront la retrouver dans une autre émission dès ce samedi 17 septembre. Et oui, la jeune chanteuse participe au prochain épisode de The Voice Kids, comme l'a annoncé l'émission sur Instagram. Pour l'occasion, la partenaire de Datalink People égale à DD 132e 71D 94e 4 DD AB 579 73 27 C 0 DAB 0 Jordan Mouyorak va former un binôme avec Loan Lord et Battle. C'est une fille qui est vraiment sincère, vraiment honnête. Et effectivement, elle a assuré, s'est exclamé Loan dans un extrait diffusé sur Instagram. Dans l'espace réservé aux commentaires, les internautes ont été nombreux à acclamer la venue d'Eva Kean dans The Voice Kids, qui ne semble donc pas avoir fini de surfer sur la vague du succès.